Bonjour, nous allons déguster ensemble un Quincy 2014 du domaine de Villala sur une cuvée particulière qui s'appelle les Grandes Vignes de Villala. On a une jolie couleur sur un jaune pâle, bien brillant, limpide. Un nez qui est très présent, aromatiquement, assez puissant. Donc très typé Sauvignon, Sauvignon de Loire. Donc très, très agrumes, très fruités, mais quand même avec des touches minérales, avec des touches un petit peu légèrement crayeuses. Belle attaque, c'est frais, c'est gourmand, c'est épicé, ce qu'on n'avait pas tout à fait au nez, on va retrouver un côté un petit peu épicé en bouche, poivre blanc. Et le vin associe un bel équilibre entre ce côté gourmand, ce côté rond, et cette acidité, cette fraîcheur apportée par les agrumes, qui en fait un vin qui est assez persistant et assez long en bouche. Un joli Quincy, hein, de belle facture, qui pourra très bien accompagner un apéritif, mais je pense qu'on est aussi là sur un joli vin de gastronomie, avec des terrines avec des terrines de Saint-Jacques, avec des terrines de poisson, voire sur un plateau de fruits de mer. Voilà, un beau mariage entre ce vin qui est gourmand, frais et persistant, et puis le côté un peu iodé, le côté estival de ces mets venant de la mer.